Sam Smith est à la recherche de l'amour. Cependant, l'artiste britannique s'est récemment fait bannir des applications de rencontres. Et pour cause, on le prenait pour un usurpateur. Sam Smith est un cœur à prendre. Pour trouver chaussure à son pied, et ainsi optimiser ses chances, il s'était inscrit sur plusieurs applications de rencontres connues comme Hinge et Tinder. Malheureusement, ce dernier s'est fait bannir, et à chaque fois, cela était pour une raison bien simple. En effet, les utilisateurs de ces sites de rencontres l'ont pris pour un usurpateur et ont malheureusement signalé ses différents profils. À l'instar de Ben Affleck, qui s'était inscrit sur l'application de rencontres Raya en 2019, Sam Smith a voulu essayer de trouver l'amour sur les applications digitales. Simplement, ce dernier avait omis de faire la vérification de son profil. Une erreur de taille, car les utilisateurs ont alors pensé qu'il s'agissait d'un imposteur. Et par conséquent, les profils de l'interprète de Dancing with Strangers ont été supprimés très rapidement. On me prenait pour un imposteur. C'est auprès de nos confrères de la chaîne de télévision américaine Entertainment Tonight que Sam Smith a récemment confié ceci: j'ai essayé Tinder une fois et je crois qu'ils ont supprimé mon compte. Je me suis aussi fait virer de Hinge parce qu'ils pensaient que ce n'était pas moi. Par contre, je n'ai jamais essayé Grindr. Bien qu'il soit déçu de cette expérience atypique avec les applications de rencontres, Sam Smith continue de croire à l'amour avec un grand A. Depuis le début de sa carrière, l'artiste de 30 ans évoque ce sujet dans la plupart de ses chansons à succès. En effet, dans les titres I'm Not the Only One, ou We Love ou encore I Feel Love, il se dévoile comme jamais sur les relations amoureuses. En attendant de trouver l'élu de son cœur, le célèbre cousin de Lily Allen se concentre sur le récent lancement de son nouvel opus intitulé Gloria, qui est disponible depuis ce vendredi 27 janvier.